Bonjour, bienvenue à la séance extraordinaire de la MRC de Maria Chapdelaine qui se tient par visioconférence, comme vous le voyez, du mardi 22 juin 2021. Il est 15h30, donc la séance est ouverte. Le quorum est atteint et au point 2, notification en lien avec l'avis de convocation, Madame Fortin, les aspects légaux de tout ça ont été respectés. Oui, alors, M. le Préfet, je vous confirme qu'en vertu de l'article 152 et 156 du Code municipal, nous avons respecté le délai pour l'avis de convocation et l'ensemble des élus a reçu la correspondance pour la rencontre de ce soir, telle que prescrit par la loi. Merci. Donc, est-ce qu'on a besoin d'adopter l'ordre du jour? J'imagine que oui, on va y aller comme ça. Christian, on adopte l'ordre du jour, oui? Oui, on peut y aller pour un proposeur. Un proposeur. Michel Villeneuve a proposé l'adoption. Législation et administration en 3.1. Adoption du règlement numéro 21-463 relatif au transport collectif et adapté des personnes. Donc, en fait, c'est d'adopter là, les modifications aux règlements généraux de notre organisme là, de Mario Express qui s'occupe du transport collectif et adapté chez nous. Donc, il y a plusieurs éléments là, qui ont été ajustés, dont le territoire, les services, les parcours, fréquences, horaires, les tarifs, les partages de coûts. Mais le point principal, c'est probablement aussi les modifications au conseil d'administration qui ont été ajustées. Là. Donc, on aura un représentant de la ville de Dolbeau-Mistassini qui sera désigné par la ville. Deux élus maires nommés par le conseil de la MRC, dont un représentant des secteurs urbains, des villes, et un représentant des secteurs ruraux pour les municipalités. Un représentant des usagers de la clientèle du transport adapté. Un représentant des usagers de la clientèle du transport collectif. Un représentant de la table de concertation des aînés et un représentant de la Corporation de développement communautaire de Maria Chapdelaine. Bien entendu, la MRC aussi, là, via son personnel en support à Maria Express. On a aussi une description des services offerts là, par Maria, des différents types de services, là, c'est au niveau urbain, au niveau adapté, tout le rabattement. Donc, tout est détaillé. Il y a des annexes aussi qui expliquent et qui pourront être modifiées éventuellement là, pour ce qui est des parcours, des tarifs, etc. Donc, ça, ce règlement-là va entrer en vigueur dès la publication qui va être la semaine prochaine, mercredi prochain, je crois, mardi prochain, dans les journaux locaux. Ça me prendrait une proposition pour adopter le règlement. Propose, M. le Préfet. Merci, Mme Chiasson. Il n'y avait pas d'autres sujets. Il n'y a pas personne, pas de journaliste, donc pas de période de questions, il n'y aura pas de points. Ça me prendrait une proposition pour la levée de la séance. Merci, M. Biron, qui proposait la levée de la séance. Merci beaucoup à tout le monde. À la prochaine. Thank you.